Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est moi qui est ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour le décompte des top 3 meilleures applications de montage du monde. Allez, c'est parti! Bien que je suis un fan personnel de Camtasia, j'ai été déçu par leur nouveau Camtasia Studio 9 car l'option 60 FPS n'est plus disponible. Vous ne pourrez plus faire de vidéos en 60 FPS, mais l'interface est beaucoup plus jolie, plus facile à utiliser. Vous aurez des annotations, des transitions faciles. C'est une application que je vous recommande si vous faites des tutoriels ou vous êtes des débutants en animation. En deuxième position, nous avons Sony Vegas Pro 14. Le problème avec cette application, c'est qu'il n'est pas facile du tout à utiliser. Je vais être honnête avec vous, mais moi, je ne sais pas utiliser. Son avantage, c'est que vous pouvez faire d'énormes rendus, de très bons rendus. La qualité des vidéos est exceptionnelle. Les paramètres sont très précis. Et si vous voulez, si sérieusement dans YouTube, vous êtes un professionnel, vous pourrez y aller. Mais attention, avertissement aux débutants. En première place, finalement. Nous avons Cyberlink 14. Eh bien oui, 14, pas le 15, pas le 16, pas le 14. Personnellement, je pense que c'est la meilleure application parce que déjà de 1, l'interface est super amicale. C'est comme Camtasia Studio 8. Donc vous vous sentirez super à l'aise, pas comme le Sony Vegas 14 ou 13, personnellement. Maintenant, les paramètres sont super approfondis mais faciles à utiliser même pour un débutant. Et en plus de ça, les rendus, il y a les mêmes paramètres que Sony Vegas. Pas aussi approfondi que Sony Vegas, mais carrément approfondi. C'est ce qu'il vous faut parfaitement si vous êtes un YouTuber. Les YouTubers, il y a plein de YouTubers qui utilisent cette application. C'est pas très très connu, mais il y a plein de YouTubers qui utilisent cette application. Donc je vous le recommande carrément. Cherchez des tutoriels sur cette application. Elle est super facile et super utile. Donc, elle vous permet même de faire des vidéos aussi, d'enregistrer des vidéos et tout ça. Donc c'est à peu près tout et c'était le numéro 1. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et on se dit peace les gars.